wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flow. Vibrate the whole building. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information. Alors attention, ce ne sera pas une vidéo d'information sur GTA V, mais plutôt une vidéo d'information en ce qui concerne ma chaîne YouTube et moi-même. Alors on va commencer tout de suite avec YouTube. Comme vous le savez, je poste au minimum une vidéo par jour, que ce soit une vidéo d'information, une vidéo de mode ou une série que vous aimez particulièrement ou même des choses qui arrivent, des choses what the fuck sur GTA V. Alors certaines personnes sont venues me dire que ça faisait très longtemps que je n'avais pas posté de vidéo sur YouTube, alors qu'en réalité je poste au minimum une vidéo par jour. Le seul problème qu'il y a depuis quelques jours, même depuis une semaine, c'est que tout le monde ne reçoit pas la notification comme quoi j'ai ressorti une petite vidéo. Donc c'est dans le flux des abonnements. En fait, la vidéo apparaît pendant genre 15 secondes, puis elle disparaît pour ne jamais réapparaître. Donc c'est un petit bug qui est assez lassant, car au final vous ne pouvez pas voir la vidéo. Comme par exemple hier, j'ai sorti 3 vidéos, donc une vidéo où j'annonçais le championnat des garages tour, une autre vidéo où je parlais de GTA 6, c'est la vidéo des secrets, moi en étant abonné avec une autre chaîne juste pour voir si tout est correct. Et ben je me suis aperçu que certaines de mes vidéos n'apparaissaient pas dans le flux des abonnements. Alors je me suis dit que je ne devais pas être la seule personne avec ce genre de problème. Alors je vais vous donner deux petites solutions à ce problème. En allant sur ma chaîne, vous allez tout simplement aller à droite des abonnements et vous allez tout simplement cliquer sur le petit bouton paramètres, et là vous allez mettre envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Donc ça c'est la première chose qu'il faudrait que vous fassiez. Et la deuxième chose, c'est tout simplement de venir me suivre sur Twitter ou même sur Facebook, car à ce moment là vous recevez forcément les notifications dès que je vais sortir une vidéo, vu que ça va s'afficher sur votre fil d'actualité. On va revenir un petit peu à Facebook et Twitter, car beaucoup de personnes disent que je ne réponds pas aux messages, etc. Alors je réponds à énormément de messages sur Twitter, mais sur Facebook il y a un gros problème, c'est que Facebook a bloqué mes messages sur ma page Facebook. Alors comme vous pouvez le voir sur la vidéo, mes derniers messages remontent à juillet, donc je n'ai reçu aucun message depuis juillet. Facebook a décidé de me les bloquer, je ne sais pas du tout pourquoi. Donc pour les personnes qui chercheraient à me contacter, je vous invite vraiment à le faire par mail ou même à le faire sur Twitter. C'est pour cela que j'ai ouvert mes messages privés à tout le monde sur Twitter, car sur Facebook plus personne ne pouvait me contacter. J'ai essayé de demander à Facebook pourquoi ça faisait ça, j'ai eu aucune réponse de leur part. C'est assez chiant et assez lassant d'avoir ce genre de bug sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo d'information. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. J'espère vraiment que ce petit bug va vite être arrangé par YouTube. Et si jamais vous loupez une de mes vidéos, allez sur ma chaîne au moins une fois par jour aux alentours de 22h, 21h et regardez si je n'ai pas sorti des vidéos que vous n'avez pas forcément vues. Après, la meilleure méthode, comme je vous l'ai dit, c'est les réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait plaisir. Et nous on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.